Salut, salut tout le monde, on se retrouve pour la game sur tunnel entre Watch Your Back et Aim. Alors, on va voir. Ok, ça saute partout, ça se cache derrière les petits blocs. Est-ce que quelqu'un va décider à prendre la balle? Si, Diamond. Diamond qui se cache. Ok, on va aller le suivre, ça a l'air de rush. Ils ont décidé d'aller de l'avant en tout cas. Ah, ça aurait pu passer ce relais et ça aurait pu faire mal. Alors, le stun qui a bien passé, est-ce qu'il va tuer la balle? À quoi ça servirait? À juste avoir des points. Bon, eux ils sont tous morts, ils ont décidé donc d'essayer de tenter un bon gros relais, mais ça n'a pas marché. Là, il est monté un peu au rive tranquillement. Ah, ça y est, ça allait vers l'avant. Ça va. Alors, Luxus qui prend la balle. Ils ont plutôt bien joué, Watch Your Back, ils sont donc désolé, j'étais en train de lire des. Alors, Watch Your Back qui ont plutôt mal joué, ils n'ont pas décidé d'avancer en fait, et donc ils sont restés dans leur moitié de terrain, on va dire ça, et puis ils se sont fait tuer et plutôt déçus. Enfin, ça aurait pu amener quelque chose de dangereux pour eux, je pense vraiment. Ouais, donc. Je joue sur la première sur le milieu du clan pour la, Du sur le clan. milieu du Voilà, donc on vous apprend voilà. que sur tunnel, le truc au milieu c'est un clan, on sait pas trop quel clan c'est, Exactement. mais. Ça m'arrive de faire. Il y en a un gars qui me parle de clan, du Du coup clan. j'étais absent. Ouais, voilà. Ah oui, il avance bien. Ouais, je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas pris de heal. Alors pourquoi le jouer le heal même en peine ou même en AP ou même tout le temps sur cette map? Je pense que c'est la meilleure option parce que le heal te donne des points et que au pire des cas, ça se joue au point. Tunnel. Là, les Watch Your Back ont pris le dessus sur le frag là. Hein. Ah oui, clairement, ils ont 30 points d'avance là et ça risque de continuer. Hein. Mais ils jouent vraiment le frag alors que les autres ne jouent pas le frag et. Ils peuvent tenir comme ça pendant longtemps les Watch Your Back, mais s'ils tiennent pas, ils vont être déçus parce que pour moi, ils n'ont pas forcément de stratégie pour aller attaquer. Enfin, pour l'instant, je les vois pas trop aller en mode attaque. Alors Diamond qui avait fait un bon stun, mais qui décide de dash PS, j'aurais quand même pas dash PS, j'aurais tiré dessus. J'étais à l'abri derrière mon petit. Ça, c'était un bon dash PS par contre. Ok, thorax, pas mal. Tu vois, il s'arrête directement pour tirer, ça sert à rien. Enfin, il joue vraiment au point parce que ils essayent juste de chercher des points sur le gars qui a le ballon pour Et que ils les j'ach... prennent, hein, ils les prennent les points pour l'instant. Ils les prennent les points. C'est vrai qu'ils les prennent, mais donc ça donne des points au fun supplémentaires que tu n'as pas si tu fais un simple frac qui te donne seulement 2 points, tu as 4 points. C'est vraiment intéressant parce que si tu as un assist dessus, en plus, bon, les points qui deviennent totalement craqués. Alors qu'on voit bien que chez les autres, en fait, quand t'as la balle, ben, ils utilisent des SP pour avancer. Mais un jour, je pense que ça va payer d'utiliser les SP pour avancer plutôt que d'utiliser la balle pour essayer de choper plus de points. Le but étant de marquer des TD. Non pas de free farm. De free farm les adversaires. Surtout que si tu veux free farm les adversaires, encore. Vraiment, il faut prendre le heal alors. Hein. 2 points pour 50 points heal donnés. Oula, T'as envie de dire pourquoi pas. un Ok. petit dash assez raté. Ouais, bah, et Tempo, ils essayent de se mettre le plus loin possible. Alors là, les Watch Your Back ont un peu changé là, ils ont donné un peu de coup d'épée pour aller dans le camp adverse. Mais non, ça suit pas. Hein. Ils sont pas dans la stratégie de relais ou de faire quelque chose comme ça. Donc comme ils sont pas dans la stratégie, ben. Voilà, Diamond qui tire, oui, c'est. Element qui a totalement défoncé tout le monde de son perchoir. Warsaw qui tempo, qui commence à avancer. Ben, ils avancent tranquille. Tu vois dans une situation comme ça où ils sont assez regroupés les Watch Your Back, tu prends un heal et ça le fait. Un Surtout que. rescue quand t'as tué en groupe et. Ah bah oui, mais même quand t'es pas en groupe, parce que le rescue permet en fait de me donner relativement beaucoup de points de heal,
tout en permettant de tirer. Tu mets une boule, tu recharges, tu changes d'arme, tu tires. Une fois que tu as tué le mec, tu remets une boule, pouf, tu vois tes... Voilà, ça te fait 2 points gratos et donc tu farmes encore mieux les points, ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ils sont déjà loin, hein. Ah, ils sont déjà 66 points. 68 points, donc oui. Ils sont vraiment en tactique farm. Les autres ne le sont pas. Ils ont la possession de la balle, ils sont plutôt bien. Ah oui. Et alors, oui. Et ça va passer du coup, je sais pas trop comment les autres qui se sont laissés déborder, bah, à force de mourir sans doute, ils ont laissé des trous. Le reste va Et passer, reste qui va oui, passer. voilà. Et en plus, ils passent. Mature Bag sont vraiment en position de force là. Ah bah oui, bah, Bag, Ross, ils ont la possession de la balle, c'est vraiment bien joué. ils nous montrent clairement qu'ils sont un niveau au-dessus, parce que Là. jouer le frag et en plus venir arriver à marquer, pourquoi pas. Ils sont dessus, ils sont dans un autre monde, ils sont pas dans le même que nous. Alors, ça prend la balle, ça se dispute, tout ça, on va suivre la balle maintenant. Alors les autres qui ont voulu tenter, on sent qu'ils ont une technique au départ, les aim, mais ça donne rien. Ils sont vraiment mal placés, hein. Il fallait pas le prendre TD. Déjà que niveau points ils sont lâchés, ils sont obligés d'en mettre deux là. Ah oui, ils sont obligés d'en mettre deux. Ils Ils s'en sont doutent. vers les 70-80 points maintenant. Ouais. Bon, si tu veux calculer, vas-y, je t'en prie. Hein. Je ne le Hein. ferai pas. Et Oh pour l'instant, ils sont vraiment, bah, ils sont au fond et ils doivent aller en marquer deux. Bon, après, je pense que ça reste possible. Hein. non. Tout est possible. Ça reste possible. Mais là, on voit bien que Watch au back tempo, ils ont plus envie de farm les points. Celui qui a la balle fonce droit devant comme Thorax et bah, ils attendent que les autres doivent faire le trajet à l'envers pour donc ça, ils perdent du temps et tout. C'est chiant. Voilà, c'est juste de la temporisation, ça, en fait. Hein. Faut pas croire qu'ils aient envie de marquer, en fait. Hein. C'est juste. Alors, Diamond qui a réussi à rentrer dans le tunnel. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi la map s'appelle comme ça? Parce qu'il y a deux tunnels. Alors. Ça tire, ça tire. Ok, Luxus qui a pris la balle, il se retrouve un peu seul et il n'est pas assez en avant pour. Ah, bien, c'était bien tenté ce petit spam CS, on va appeler ça comme ça. Ils sont complètement lâchés en Ah, point niveau. ils sont lâchés, Ouais. ils sont lâchés. Mais beaucoup des Watchobas sont trigun, donc ils peuvent plus facilement kill de loin et ils ont pris pas mal de swords, les aim. Donc je vais pas dire que c'est étrange, bizarre ou... Beaucoup de PS aussi, je sais pas trop pourquoi. Enfin la PS oui c'est un... Ah, mais ils ont voulu jouer le rush, ils ont vraiment voulu jouer le rush, mais là ça leur tourne pas à leur avantage, hein. Ouais bah ils ont oublié les tactiques je pense. Mais pour moi la meilleure tactique sur cette map c'est pas de faire full frag, c'est pas de faire... C'est jouer en groupe, être groupé, avoir un heal, avoir tout ce qui... Tu avances doucement, tranquillement, tout en faisant du kill, et puis Ouais, voilà, c'est ça. dès que tu as un moment de rush, dès que tu peux relais, tu prends et tu essayes, quoi. Voilà. Bah, sans doute, ce qui a dû se passer sur le premier TD, c'est que bah, les autres, enfin, les autres. Les Watch Back ont tué, ont réussi à faire un ace, ils ont avancé un petit peu, les autres sont revenus, et. Enfin, les aims sont revenus. Et là, ils ont voulu utiliser leur sword, mais ils se sont fait griller. Du coup. En tout cas, il y Du coup, a voilà, ils forte ont pu rush. domination des Mature Back, hein, pour Ah, bah, mais là, l'instant. c'est fini, enfin. Ouais, Pour je moi, les la vois game est pas. pliée. Je les vois pas remonter. Ah, pas non plus. Voilà. Ce qu'ils pourraient tenter au début de la seconde mi-temps, c'est marquer un TD vite fait avec leur stratégie. S'ils en mettent un là en 1 minute, ça serait bien. Non, là, Mais c'est plus bon, je possible. vois pas. Là. Hein. C'est du peine. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de bot. Non. Enfin, même avec des bots en peine, il n'arrive pas au TD. Ah oui, bah surtout en peine. Ouais, en peine. Certaines compétitions qui ont banni d'ailleurs les bots en peine, j'ai pas compris pourquoi. Bah c'est assez, comment dire, assez abusé cette arme au niveau relais. Bah juste au niveau relais, faut juste faire attention. Il y a plein d'autres armes qui sont abusées au niveau relais, hein, dont la PS. Hein. Bon, faut quand même la gérer la PS, alors que derrière une botte, tu vas toujours tout droit, t'as une vitesse phénoménale. Bah non, tu dashes et puis t'arrives dans le télé. Tu vas se mettre à bien faire. Je le Ah. trouve pas que c'est dur. Là, il se rapproche du TD.
Non, après. Il y a encore. Ça coûte même pas d'SP de dash. Les voitures back ont Ouais. vraiment fait le taf en première Oh mi-temps. bah ouais, là, ils ont fait le boulot. On aura une journée courte, je pense, là, les Watchbacks qui nous montrent la première était quand même assez disputée, mais ici, clairement, sur tunnel, ils ont montré que Ils sont supérieurs. c'est plus très, très disputé. Alors, on a toujours la danse des super Fumbi. Si vous aimez les Fumbi, likez-moi sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter aussi. C'est reparti. C'est reparti. Alors, ils arrivent, ils font des petits tricks pour arriver, ils se cachent bien derrière les blocs. Elle a pris un petit coup, c'est pas grave. Qui va prendre la balle? Ok, c'est Diamond qui je pense en mode énervé, il dit à sa team, c'est bon, il faut y aller là, un de ces jours. Donc, du coup, il y va. Surtout qu'ils sont en retard, faudrait peut-être. Ouais, mais bon, il faut pas non plus prendre la balle en rush. Alors, normalement, la stratégie, si je me rappelle bien, c'est. On regarde au début celui qui met le plus de hits, c'est le gars le plus low qui va chercher la balle normalement pour essayer de l'avancer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En gros, si tu as perdu un de tes gars dans l'affrontement sans balle du début, tu dois aller chercher la balle pour essayer de l'éloigner et de faire perdre du temps à l'autre équipe. Sinon, ils prennent vraiment un gros avantage en fait. Voilà, donc le move de Diamond, oui, non. Je sais pas si c'était forcément la meilleure idée à faire. On va dire c'est ça la métagame sur la map. Je dis pas que c'est la meilleure métagame, il faut inventer d'autres tactiques. Ah, les voitures back qui sont en attaque, qui est plutôt bien placé, Thoras. Bah oui, il est bien. Oh là 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 là, et la CS qui parle tellement quoi. Et ils ont pris tellement de PS en face que. Ont du mal à. Une CS et c'est fini. Ok, ça court. Je crois pourquoi il n'a pas été se cacher derrière les blocs. Alors Kilk essaye le petit move d'esquive là. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Moi je trouve que ça sert à rien. Essayez ça pas ça chez vous. Si vous ne voyez pas où vous courez en fait. Tu sais comment ça s'appelle là, le truc qu'il a fait là? Où tu bouges ta Aucune caméra idée. Ouais, en mode en tango. faisant n'importe quoi, quoi. En Ouais, faisant c'est une sorte de zigzag. ça. Ouais, c'est ça. Oh, c'est. Moi, c'est un nom, mais je sais plus c'est quoi. Pour éviter d'aller tout droit. Tout. Voilà. Et ça sert pas énormément à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. En plus, si ça sert vraiment à rien, je voudrais dire avant, oui, ça aurait pu servir. Si, parce que au S5, il n'y avait que les armes comme les submachines, le smash, un truc comme ça. Et donc, Surtout sur tunnel. surtout sur Tunnel. tunnel. Et donc. Comment dire? Quand tu bouges, l'autre avait plus de chances de te rater. Mais. Ici, c'est avec l'assaut. Hein. L'assaut, ça tire très vite. C'est très vite droit et ça part relativement vite en couille, on va dire. Mais ça ne tire plus droit. Donc, à un moment donné, à l'autre bout de la map, tu peux tirer à la. Si t'as tiré Ils ont quand même tes dépassé cibles. la barre des 100 points d'écart, hein. C'est vrai? Oh là là. Ah ouais. Et ils sont fous. Donc, en gros, je disais l'assaut à partir d'un moment, à partir de 6 balles, ça commence vraiment à tirer vraiment à côté de la cible. Et donc, en gros, il faut essayer de que le mec n'ait pas envie de bouger son viseur sur toi et il te touchera pas. C'est un peu comme la tourette, des choses comme ça. Enfin, c'est exactement comme la tourette en fait. Hein. La tourette, quand tu l'as pas en position tourette, d'ailleurs, même quand tu l'as, mais bon, c'est tellement petit que tu vois pas la différence. Que tu vois que ça tire plus vraiment centré, ça tire vraiment dans les quatre coins, dans tous les coins possibles. De la petite croix, enfin de la petite croix du carré. Il faut imaginer qu'il y a un carré là où il y a la croix. Oh, joli coup de révolte de Voilà. la Ah oui, part le de Revo là, il l'a calmé. Sophie, tu Voilà. sais pas aller à la commune demander à papa s'il veut pas aller voir le match de foot avec François au stade. Voilà. Donc il y a un match de foot, je vous rappelle quand même que c'est Belgique-Turquie. Voilà, Tu et veux donc. pas aller à la commune ici à la salle des fêtes demander à papa s'il veut Voilà. pas aller au stade avec François voir le match. Il a une place en trop, mais il faut faire vite. Voilà. Donc normalement c'est cher ce genre de place parce que notre équipe nationale est plutôt forte et beaucoup de gens veulent Ah, aller mais les c'est un voir. Donc on a une place gratuite, bon vous l'aurez pas vu que mariage. vous habitez trop loin. Oui, À moins que François, Foxtile papa au stade.
nous reçoivent. Je crois que Fausta est parti aussi. Il y a pas mal de Belges qui ont été par, qui sont partis les voir. Donc, je me retrouve ici hein, en tant que Belge à commenter ce match. Et la préparation de la France, ça se passe comment, dis-nous, Aim? Oh bah, pour l'instant ça va. Il y a, on sait que nos deux ailiers Ribéry et Grenier sont en forfait, plutôt un coup dur. Ah. Et on nous joue contre la Jamaïque le 8, donc c'est après-demain ou demain, je sais pas combien on est aujourd'hui. Mm-hmm. On verra bien. Voilà. On espère qu'on gagne. Oui. On est de tout cœur avec vous. Tant que c'est la Belgique qui gagne les Worlds, vous pouvez avoir n'importe quelle place. Alors, ça continue. Bah, ça continue à Frag, ils sont tranquilles. On dirait qu'ils se battent plus trop, les AIM, quand même. Ils restent cachés en mode. Je sais pas ce qu'ils font. Elle est pliée, la game. Elle est pliée, de toute façon. Ils sont, comme on dirait sur League of Legends, ils sont FF mental. Quoi. C'est, ils sont déconnés. Ils sont déconnectés leur cerveau de des stratégies qu'ils devraient appliquer. Voilà, après on a vu que les personnes étaient de teams différentes. Du coup ben, peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les tactiques de clan qui ont forcément les Watcher Back. C'est juste des bons joueurs qui jouent ensemble, mais des bons joueurs qui jouent ensemble, ça donne parfois des trucs bien, mais quand il faut un peu de. Quand il faut un peu de discipline ou autre chose, c'est différent. Il suffit qu'il y en ait un qui s'énerve, voilà, et ça peut vite partir en couille. Alors que quand t'es en team, il y a de la discipline, tout ça. Voilà, ça peut changer beaucoup de choses, je pense. Qu'est-ce que t'en penses ? Possible, ouais. Après, c'est. De ce que je sais, ils se connaissent quand même assez bien, donc. Bah, à haut niveau, là, pour l'instant, il y a tellement pas beaucoup de monde sur le. Bah, le lutte, sur le S5, 4, ils se connaissent les tous. Les 4 hein. Sont d'anciens Winning Road, donc les 4. Hein. Ouais, ouais, les 4. Donc, Ouais, mais voilà, ça peut changer. Bah, sur League of Legends, c'est un peu pareil aussi. Hein. On a vu clairement quand tu vois que les Russes ont oublié leur passeport et qu'ils arrivent à avoir des joueurs, toujours les mêmes évidemment, qui jouent à leur place. Ils se connaissent aussi tous par cœur. Après, bah, c'est la team, c'est les tactiques qui sont mises en œuvre et qui changent en fait la game. Et ici, c'est un peu pareil. Il y a une bonne attaque pour. Aim, ah, dommage. Dommage. C'était bien tempo par RS. Bah, ils ont juste un tempo, enfin, je sais pas comment. Enfin, ils doivent marquer 2 TD là, 2 minutes. S'ils en marquent un maintenant et qu'ils font une bonne ouverture, ils peuvent tenter un truc, mais sinon c'était. Non, mais je pense que déjà toute la game, ils n'ont pas dépassé le tunnel. Ou une ou deux fois. Ça m'étonnerait. Ah, mais il suffit d'une fois, hein. On verra bien. Enfin, pour l'instant, c'est Watcher Back qui ont la balle. Voilà. Oh là là, ça fonce tout droit, bah, ça c'est le tempo suprême. Alors ils décident de pas forcément aller plus loin, aussi ils tentent un petit spam quand même, pour pas que les autres aillent reset. Et, parce qu'un reset ça pourrait faire. Ça peut faire mal. Quelqu'un qui commence oh, full. Allez, il était énervé là, il en a marre. Hey. Voilà, ils sont déçus. Ah, dommage. Ça tente le trick du désespoir. Ouais. Alors ce trick là, je pense pas qu'il soit utile à quelque chose vraiment sur la map. Vu qu'après tu sais encore tirer à travers les barreaux qu'il y a. Les 100 SP contre 4 personnes. Ouais. Ça m'étonnerait que ça peut bien jouer de la part d'Elemon. Un beau petit brain. Après ça peut brain évidemment, mais j'y crois moyen. Surtout à 1 minute 30, c'est impossible. Ah, un petit river, ça fait plaisir à voir. Surtout qu'ils sont faciles sur cette map-ci. Si vous voulez vous entraîner au river, c'est ici qu'il faut venir. Amusez-vous à venir tuer des sentries, il y a river dessus. Voilà, ce stun, on est fini. Alors, ça tire toujours. Voilà, bah, là, il tempo, bah, il sait que c'est fini, il joue les points. D'être moins le moins ridicule possible. Ouais. Voilà.
Voilà. Il y aurait eu un FF dans le jeu si, je crois qu'ils auraient cliqué dessus. En tout cas, c'est terminé. Hein. La victoire, elle est pour notre C'était bref. un bon Hein. match, hein, quand même, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, t'attrapes pas l'accent français. Super. Oui, tu Demain, vas si tu pas au veux pas aller match? au voir, ouais, au match. Je suis en train de streamer là. Ouais. Tu veux pas aller voir le Magic? Bah non. Ouais, ok. Toi, le foot, t'aimes pas ou quoi? Non. Moi, j'adore. Bah, si vous allez regarder le match Belgique-Turquie, je pense, et que vous voyez une place libre, ça aurait pu être ma place. Voilà. D'autres vont sans doute me rager dessus, mais bon, c'est pas grave. Deuxième victoire pour Waterback, bien joué, Deuxième t'en victoire repasses. sur la voiture, encore une, et c'est la win.